Pourquoi cette nécessité d'être constamment opposé aux nations? Vous savez, dans chaque confrontation, il y a une comparaison. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque Hachem crée le monde, il n'y a pas de création qui soit solo. Il y a toujours une chose et son contraire. Et le contraire représente la définition la plus exacte de la notion qui a été créée. Vous savez ce que c'est la lumière? C'est le contraire de l'obscurité. Tu ne connais pas tout. Tu ne peux pas tout comprendre. Tu ne peux pas tout savoir. Et voilà pourquoi l'homme, il a un rôle capital dans l'existence. Parce que l'homme aime découvrir. C'est quoi Hanouka? C'est des goyim, hein, qui, avec un éclairage différent, veulent nous faire croire que eux, ils ont compris comment le monde fonctionnait. Les nations, elles ont un rôle à jouer contre nous. On n'a pas le droit de se plaindre de leur existence. On doit les combattre souvent. En tout cas, toujours se positionner par rapport à eux. Et ainsi, notre peuple a tellement souffert, que ce soit des guerres ou que ce soit de l'assimilation. C'est-à-dire que toujours, ils vont essayer de faire en sorte que l'on éclaire le moins possible. Et nous, les Juifs, notre force, c'est qu'on a toujours beaucoup plus éclairé le monde que les autres. Alors, ce que je dis à Goïm, le jour de Hanouka, c'est merci de nous avoir obligés à nous affirmer.